Alors bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue pour ce débat, cette table ronde sur pourquoi la France maltraite ses enfants. Et je voudrais d'abord remercier Bérangère Le Petit, qui est juste à côté de moi, qui est autrice du livre Baby Business, que vous pouvez montrer, et qui est journaliste au Parisien. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Remercier Nathalie Andrieux-Hennequin, qui est syndicaliste, assistante sociale de l'éducation nationale à la FSU, et qui est en quelque sorte, malheureusement, une profession qui est en train de disparaître de nos établissements scolaires et qui est absolument nécessaire pourtant. Merci aussi d'être avec nous. Et puis ensuite, à côté, nous avons Lies Loufoque, que je remercie lui aussi infiniment d'être là. Lies Loufoque, qui est militant des droits de l'enfant, qui est auteur de 2 livres, Dans l'enfer des foyers et Si les enfants votaient. Merci Lies d'être ici. Alors peut-être pour expliquer d'abord pourquoi est-ce que nous organisons ce débat aujourd'hui sur le stand de la France insoumise. Parce que nous sommes partis au départ d'un plan d'urgence enfance que nous avons fait partant de différents constats. Les constats, c'est d'abord la mortalité infantile qui recommence à augmenter dans notre pays et comme me le faisait remarquer Lies Loufoque, depuis 1945, le sort des enfants s'était toujours amélioré dans notre pays au fur et à mesure que notre pays progressait, que la démocratie avançait et donc que le sort des enfants, lui aussi, s'améliorait. Et qu'observe-t-on depuis maintenant quelques années ? C'est que tous les indicateurs sur l'enfance sont en chute libre. Je vais vous parler de la mortalité infantile. Depuis 2015, la mortalité infantile française est passée au-dessus de la moyenne européenne. L'année dernière, en 2021, 2700 enfants sont morts avant leur premier anniversaire. Et nous étions, en 1980, le 5e pays de l'OCDE avec le taux de mortalité infantile le plus bas. Aujourd'hui, nous avons été rétrogradés à la 20e place avec le taux de mortalité infantile du coup, qui a grimpé et qui est maintenant au-dessus de pays comme la Grèce. Et quand vous voyez la cure d'austérité qui a été faite sur la Grèce, vous comprenez la catastrophe que c'est. Derrière aussi des pays comme la République tchèque ou encore la Lituanie. Sur la question de la mortalité infantile. Ensuite, vous avez des associations qui ont lancé l'alerte, évidemment, sur la faim qui disloque le pays, avec 3 millions d'enfants dans ce pays qui vivent sous le seuil de pauvreté. Des associations qui ont lancé eux aussi l'alerte sur les 2000 enfants, au moins. Pourquoi je dis « au moins » ? C'est parce que vous avez des familles qui sont même tellement désespérées qu'elles n'appellent plus le 115. Donc 2000 enfants, au moins, qui dorment à la rue en France, 7e puissance économique au monde. Quand vous regardez un pays, notre voisin, l'Allemagne, vous savez combien d'enfants dorment à la rue en Allemagne ? Zéro. Zéro, et il faut expliquer quelle est la différence qui justifierait que dans un pays comme la France, il y a au moins 2000 enfants qui dorment à la rue, quand en Allemagne, il n'y en a pas un seul. Eh bien, c'est une question de volonté politique, notamment quand vous savez qu'il y a 3 millions de logements vacants dans ce pays. Et de même, quand vous regardez les chiffres, là aussi, sur lesquels les associations, les syndicalistes alertent régulièrement, sur la question de la scolarisation, en fait, de la non-scolarisation de milliers d'enfants et de jeunes dans ce pays, et sur lequel l'UNICEF et beaucoup d'associations continuent de redemander qu'il y ait un observatoire de la non-scolarisation parce qu'on ne connaît même pas les chiffres. Et quand vous allez sur les enfants en situation de handicap, vous avez au moins un enfant en situation de handicap sur 4 dans notre pays, là aussi 7e puissance économique au monde, qui se retrouve sans solution de scolarisation, que ce soit faute d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, faute de place dans des IME ou dans d'autres structures qui sont adaptées pour faire en sorte que tous les enfants aient leurs droits reconnus par la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est-à-dire le droit à l'éducation, le droit à un logement, le droit à la santé. Donc on est dans un moment où tous les indicateurs vont mal. Lies Loufoque nous parlera de l'aide sociale à l'enfance. Je vous redonne juste ce chiffre pour que vous réalisiez à quel point la situation est grave. Au-delà de toutes les ruptures qui existent dans les parcours de ces enfants, des violences qu'ils subissent, ce chiffre est dit à lui-même ce qu'on fait aux enfants qui sont placés dans ce pays. Une personne sans abri, un SDF sur 4 dans notre pays est un ancien enfant placé. Et quand vous prenez les 18-25 ans, alors ce sont un SDF sur 3 qui sont des anciens enfants placés. Et lorsque vous avez un gouvernement qui n'a eu de cesse de culpabiliser les parents suite aux révoltes urbaines, eh bien le seul parent qui est responsable aujourd'hui, c'est l'État, qui n'est même pas à même de pouvoir s'occuper de ses enfants. Et puis, on va arriver sur l'actualité plus brûlante, même si il y avait déjà eu un rapport de l'IGAS en mars.
L'actualité plus brûlante, c'est deux livres qui sont sortis la semaine dernière, dont celui qu'on vient de vous montrer sur la question de la maltraitance dans les crèches privées. Vous savez que le secteur des crèches a été ouvert au privé en 2004. Aujourd'hui, nous en payons les conséquences et nous continuons de demander, notamment à l'initiative d'un député de notre groupe, William Martinet, à ce qu'il y ait une commission d'enquête sur la question. Alors, peut-être, je vais commencer par ça. D'abord, vous dire que vous pouvez retrouver ce plan, y compris sur Internet et dans les différents documents qui sont distribués, dans lequel nous avons fait 19 propositions d'urgence. Bien sûr, il faudrait aller plus loin. Et juste pour vous donner à dire à quel point le gouvernement ne prend pas au sérieux cette question, parce qu'un pays qui maltraite ses enfants est un pays qui condamne son avenir, eh bien, lorsque nous avons interrogé la Première ministre hier sur un nombre de solutions qui étaient dedans, sur la question des enfants à la rue, la Première ministre a dit « je ne créerai pas de nouvelles places, 200 000 c'est largement suffisant, il suffit d'enlever des gens, notamment des étrangers qui sont dans les places d'hébergement, pour faire en sorte que les enfants aient des places d'hébergement, ce qui est absolument indigne ». De même sur la non-scolarisation des enfants, notamment en situation de handicap, tout va bien, Madame la Marquise, sur la question des AESH. Elle a expliqué qu'ils avaient fait des choses incroyables pour revaloriser leur rémunération et que donc tout allait bien dans le pays, ce qui ne correspond pas du tout à la réalité. Et sur la mortalité infantile, il fallait qu'elle regarde parce qu'elle n'était pas au courant. Bref, c'est d'une indignité totale. Quant à, je suis désolée Elias Loufoque, mais je le dis quand même, la renationalisation de l'aide sociale à l'enfance, elle m'a répondu. Mais les départements font bien leur travail. Et quand j'expliquais que c'était une question d'égalité entre les enfants, ça avait l'air de passer par une oreille et de sortir par l'autre. Donc, pour en parler, nous avons trois spécialistes autour de la table que je remercie encore. Et on va commencer par donner la parole à chacun et à chacune. Et puis ensuite, on vous laissera poser des questions pour continuer ces échanges. Alors, je vais commencer par vous, Bérangère Le Petit. Donc dans votre livre, vous décrivez comment la petite enfance, les crèches en l'occurrence, sont devenues pour certaines entreprises une manière avant tout de faire de l'argent. Est-ce que vous pourrez décrire exactement ce que vous expliquez dans votre livre sur cette logique, quelles conséquences elle amène derrière? Et je le disais, c'est ouvert depuis 2004. Donc est-ce que c'est une évolution qui est récente ou qu'on observait avant? Si vous pouvez un peu nous expliquer le travail d'enquête long que vous avez fait pour écrire ce livre. Merci encore à vous. Merci à vous. Et puis merci d'être si nombreux là aujourd'hui à nous écouter. Voilà, donc moi je voulais d'abord définir un peu ce dont on parle dans ce livre là qui est sorti la semaine dernière. Parce que depuis la sortie du livre, on a beaucoup de réactions de parents qui nous disent que c'est effrayant. Et je voulais quand même vous dire qu'on parle du secteur privé lucratif dans le livre, le secteur des crèches privées lucratives qui s'est effectivement développé depuis 2004. Donc ça fait, enfin, là, on va bientôt fêter les 20 ans. C'est une partie des enfants qui sont gardés en crèche privée lucrative parce qu'il y a encore beaucoup de crèches municipales et il y a aussi des crèches associatives. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en France, il y a moins de 20% des enfants qui sont gardés en crèche. Il y a encore, malgré tout, pas mal de places à créer. Donc voilà, c'est une partie des enfants en France. Et effectivement, comme vous le rappeliez, tout ça, finalement, est né en 2004. Donc à l'époque, c'était Jacques Chirac, le président de la République. C'était le gouvernement Raffarin. Et il y a eu une conférence de la famille organisée par le ministre de la Famille, qui s'appelait Christian Jacob. Et à l'époque, il faut rappeler quelques petites choses, c'est que il y avait très peu d'enfants, moins de 9% d'enfants de moins de 3 ans qui étaient gardés en crèche. Et les femmes travaillaient de plus en plus. Donc, en fait, il y avait ce besoin, cette volonté aussi du gouvernement de créer, d'ouvrir des places en crèche. Parce que le mot d'ordre, voilà, c'était de développer, pour aussi libérer les femmes, parce qu'on le sait bien que ce sont les femmes en fait qui arrêtent de travailler quand il n'y a pas de solution de garde dans une famille en règle générale, enfin les études le montrent aussi. Voilà, donc en 2004 il y a une première brèche qui est créée à l'époque lors de cette conférence, c'est ce qu'on appelle le crédit impôt famille. Voilà, donc le crédit impôt famille, c'est un outil qui va permettre aux entreprises en fait de financer finalement des places de crèche pour les enfants de leurs salariés. En contrepartie, elles vont toucher des crédits d'impôt, une forme d'exonération fiscale.
Et dans le même temps, en fait, il y a quatre groupes qui éclosent. Enfin, voilà, il y a des chefs d'entreprise qui sont très présents, en fait, dans les ministères, parce qu'on les a rencontrés, hein, donc c'est pour ça que je vous dis tout ça, là, ce matin. Ils nous ont dit qu'ils avaient même aidé à écrire la loi, donc c'est assez surprenant, dit comme ça. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que, voilà, donc ces entreprises, je vais quand même les citer, c'est Babylou, Les Petits Chaperons Rouges, Maison Bleue et People and Baby. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à taper à la porte des ministères pour expliquer la situation, ce manque de places en crèche en France, leur volonté de créer des entreprises, en fait, pour accueillir les enfants français, comme ça se passait déjà à l'époque en Angleterre ou aux États-Unis. Et les ministres, en fait, le gouvernement à l'époque a tendu l'oreille très attentivement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il y a des collectifs qui ont pris la parole, comme Pas de bébé à la consigne. Ils se sont créés à peu près à ce moment-là, mais ils n'ont pas été entendus. Voilà. Et pendant 10 ans, en fait, de 2004 à 2014 environ, la loi française n'aura de cesse de s'adapter, d'évoluer pour favoriser l'essor des crèches privées. Et on arrive à cette situation qui est celle d'aujourd'hui, c'est 80% des places de crèche qui existent, c'est que 20%, mais celles qui ouvrent le sont dans le secteur privé lucratif. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que ce sont donc des entreprises qui sont largement subventionnées par les pouvoirs publics. Voilà. On peut aussi citer un décret qui a fait pas mal de bruit en 2010, c'est le décret Nadine Morano, qui était aussi à l'époque ministre de la Famille. Et elle, en fait, elle a permis d'accueillir les enfants en surnombre dans les crèches, de faire une forme de surbooking. Et elle a aussi généralisé l'essor de ce qu'on appelle les micro-crèches. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Les micro-crèches, c'est des petites structures. Donc, comme ça, on a l'impression que c'est un petit cocon où les enfants vont être bien accueillis. C'est à taille humaine. Mais les micro-crèches, en fait, l'essor des micro-crèches vont venir assouplir, en fait, toute la législation qui existe déjà. Et dans les micro-crèches, il y a un seul salarié qui peut accueillir les enfants le matin et le soir. Donc, en fait, il y a des règles qui sont plus souples. Et c'est aussi beaucoup dans les micro-crèches aujourd'hui que se produisent les dérives, en fait, et les cas de maltraitance dont on parle dans le livre. Voilà. Donc, le deuxième axe de votre question, c'était et les enfants dans tout ça, qu'est-ce qui se passe pour eux ? Parce que, voilà, c'est quand même bien des enfants dont on parle. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas dire ce serait, aggraver la situation que dire qu'il y a une maltraitance généralisée dans les crèches privées. Les salariés qui travaillent, en général, sont quand même mus par de bonnes ambitions. À la base, quand on se dirige dans le secteur de la petite enfance, c'est pour bien s'occuper des enfants, c'est pas pour être maltraitant. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une pénurie de personnel dans le secteur. Il y a une crèche sur deux en France, d'après les chiffres de la CAF, où il y a un manque de personnel. Donc les salariés ne sont pas assez nombreuses, c'est surtout des femmes. 98% du secteur est féminin. Et en revanche, ce qu'on peut dénoncer, c'est une forme de déshumanisation, en fait, du lien à l'enfant. Il y a des conditions de travail telles, en fait, pour ces salariés, une telle pénurie de personnel, des cadences d'usine, nous ont expliqué les salariés qu'on a pu rencontrer. Tout ça fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible de prendre bien soin des enfants, d'avoir la bienveillance nécessaire, en fait, le temps, l'attention, pour bien s'occuper des enfants. La conséquence concrète sur les enfants, c'est bien difficile encore de le dire, parce que forcément, c'est difficile de mesurer le bien-être chez un enfant. Et un enfant, forcément, quand il n'a même pas 3 ans, il ne parle pas vraiment bien encore. Les études qui existent, les études scientifiques, ce sont celles de la cohorte ELF. Elles expliquent que les bienfaits, en fait, de la collectivité pour l'enfant. En fait, un enfant qui est placé en crèche, il va prononcer davantage de mots au même âge qu'un enfant qui gardait par une nounou, parce qu'en fait, il est stimulé, il est entouré de tout un tas d'enfants. Mais par contre, c'est bien difficile de savoir si cet enfant, il est heureux, en fait. Et en fait, un enfant qui va pleurer,
ce que nous ont dit les psychologues qu'on a pu rencontrer pour l'écriture du livre, c'est que un enfant qui pleure, c'est pas celui-ci qui va être forcément le plus malheureux, en fait, parce que tous les signes exogènes, en fait, y en a, mais un enfant qui va être muet ou qui va complètement, se murer dans une forme de silence, ça peut être aussi un signe de mal-être profond. Donc, ce qu'on peut rappeler, c'est que voilà, l'enfant est un être vulnérable. En dessous de 3 ans, il a du mal à s'exprimer, à verbaliser, peut-être même à conscientiser en fait, ce qui lui arrive. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que dans des structures soumises à des impératifs de rentabilité, donc ces entreprises qui sont aussi subventionnées par les pouvoirs publics sont financées par des fonds d'investissement, l'enfant va être moins bien traité matériellement. Les témoignages qu'on a pu avoir, les salariés qu'on a rencontrés nous ont dit que dans ces structures, les crèches privées lucratives, il y a souvent des quotas un peu informels. En fait, on demande aux salariés de ne pas se servir de plus de 3 couches par jour, même si l'enfant est malade. Les repas sont sous-dimensionnés. En fait, on prévoit toujours en fonction de... En fait, l'idée, c'est de dire on va faire comme s'il y avait 2 ou 3 enfants qui n'allaient pas être là aujourd'hui. Sauf que parfois, tous les enfants sont présents et il n'y a pas assez à manger pour tout le monde. On a des salariés qui nous ont raconté devoir piocher dans les paquets de biscuits de leurs propres enfants le matin pour pouvoir nourrir ceux de la crèche, couper des bananes en 3. Enfin, tout ça pour dire que c'est... quand même assez préoccupant, en fait, selon les structures, parce que voilà, les enfants, parfois, n'ont même pas assez à manger. Et puis, parfois, il y a aussi, même si ça reste, heureusement, relativement exceptionnel, il y a des cas de maltraitance. On a eu des témoignages de parents, en fait, qui nous ont raconté ce qui se passait pour leurs enfants, des punitions, des enfants enfermés dans des dortoirs pendant presque 1 heure, le temps de se calmer... des enfants punis, des enfants humiliés. Et moi, ce que je voulais dire, parce que je vais bientôt m'arrêter de parler, c'est qu'à force de vouloir faire de la quantité, finalement, ces 20 dernières années, à force de vouloir ouvrir des places en crèche, ce qui était sans doute une bonne intention de départ, on en a oublié un élément essentiel qui est celui de la qualité de l'accueil du jeune enfant en France. Et aujourd'hui, il serait temps de... remettre en fait l'enfant au centre du débat, au centre de la réflexion. Voilà, et je veux aussi rappeler que ce n'est pas les salariés qui sont en cause, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des salariés qu'on a rencontrés essayent de bien faire leur travail malgré tout, mais parfois elles ne peuvent pas le faire bien, ce travail. Et voilà, donc c'est tout ce que je viens d'expliquer qui entraîne des dérives graves. Et c'est pour ça qu'il est temps, effectivement, aujourd'hui, que les pouvoirs publics prennent la mesure de la situation. Merci infiniment. Juste pour dire, donc il y a 2 livres qui sont sortis cette semaine sur la question de la maltraitance dans les crèches. Donc il y avait eu un rapport de l'IGAS qui déjà avait pointé la dérive des crèches privées lucratives en mars dernier. Suite à ça, donc William Martinet, qui est député de la France Insoumise NUPES, avait demandé une commission d'enquête. Et dans le rapport de l'IGAS, il pointait que ce qui se passait dans les crèches était exactement le miroir de ce qui s'est passé dans les EHPAD, notamment avec les scandales Orpea. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de pression sur les auteurs des livres, ceux qui dénoncent, y compris ce qui se passe dans ces crèches-là, parce que les grands groupes dont on a parlé tout à l'heure ont extrêmement peur d'être associés aussi à des structures type Orpea. Donc c'est important de lever le silence sur ce qui se passe. Dans un des livres, il y a un moment où il raconte une lutte de parents qui se sont aperçus qu'il y avait une maltraitance pour leurs enfants, notamment sur la question des repas, parce que leurs enfants, en sortant de la crèche, étaient sans cesse affamés et prenaient 3 goûters, 4 goûters, jusqu'à ce qu'un parent aille voir directement et se rende compte qu'effectivement, il n'y avait pas assez de repas pour l'ensemble des enfants. Alors depuis, nous, on a demandé à ce que cette commission d'enquête soit lancée par l'Assemblée nationale avec la parution de ces 2 livres. Pour l'instant, ils sont en train de lancer une mission flash, juste pour vous expliquer la différence, une commission d'enquête. Vous avez 6 mois de travail et les gens doivent prêter serment plus un pouvoir d'enquête. Une mission flash, c'est 3 semaines qu'on fait rapidement pour répondre à une émotion qui se lève dans le pays et qui n'a pas du tout les mêmes pouvoirs d'enquête. Donc ça va être une bataille pour l'obtenir et pour que réellement on puisse continuer. Et pour terminer,
Nous, dans les mesures d'urgence qu'on avait mis, on avait mis à instaurer la gratuité des crèches publiques pour qu'il y ait le droit à la crèche comme il y ait un droit à l'école avec une gratuité réelle, puisque 40% des enfants en 2022 n'avaient pas accès à des places. Investir massivement dans la formation, l'amélioration des conditions de travail et la rémunération des professionnels de la petite enfance qui sont extrêmement mal payés. Et évidemment, nous, on prône et on est les partisans d'un service public de la petite enfance pour démarchandiser, parce qu'on n'a pas à faire, comme le dénonçait une directrice d'une de ces crèches privées lucratives, des crèches, des bébés à usine. Alors, je me tourne vers toi maintenant, Liès. Alors, Liès Loufoque, donc, qui est un des ponts sur la question des droits de l'enfant. Si, je le dis. Donc, tu es toi-même passé par l'aide sociale à l'enfance, ce que tu as raconté, qui a nourri par ailleurs ton combat. Tu te bats sur la question de l'aide sociale à l'enfance. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'aide sociale à l'enfance dysfonctionne et ce qu'il faudrait faire ? Alors, en 15 minutes, ça va être compliqué de tout vous dire. Mais d'abord, merci pour l'invitation. C'est très important pour moi d'être là aujourd'hui parce que la situation à l'aide sociale à l'enfance, particulièrement cette année, elle est alarmante. Elle est alarmante et il faut qu'on s'y intéresse tous. Donc plus on a de débats, plus on a de temps d'échange pour pouvoir en discuter et plus on permettra aux consciences de s'éveiller sur ces questions-là et à redonner aux enfants leur place qu'ils méritent dans la société. La situation, elle est alarmante parce qu'on est confronté aujourd'hui à une augmentation massive du nombre d'enfants placés dans notre pays. En 2024, on va dépasser 400 000 mesures de protection ordonnées par les juges des enfants. Pour vous donner quelques exemples, la Haute-Vienne, depuis l'année 2016, a connu une augmentation du nombre d'enfants placés de 37%. Dans le Tarn-et-Garonne, cette année particulièrement, le nombre d'enfants placés a été supérieur à 3 fois la moyenne nationale. Donc c'est une augmentation qui est massive. Et dans le Loiret, et j'ai fait exprès de vous citer des départements qui ne sont pas les plus gros départements, il y a eu plus de 500 enfants placés ces 5 dernières années. Donc l'augmentation du nombre d'enfants placés, elle est liée à plusieurs facteurs. Le premier de ces facteurs, c'est l'augmentation de la pauvreté dans notre pays. Non pas que tous les enfants placés soient issus de familles pauvres, même si la majorité le sont, mais la pauvreté est un facteur aggravant aujourd'hui et ne permet plus, dans bien des situations, aux parents de pouvoir assurer une éducation correcte dans des conditions matérielles convenables à leurs enfants. Et cette augmentation, elle est aussi liée, et ça c'est peut-être la seule bonne nouvelle, on va dire, qu'on peut noter ces dernières années, à une augmentation du seuil d'intolérance des Françaises et des Français à l'égard des violences que subissent les enfants, et donc à une augmentation du nombre de signalements qui sont reçus aujourd'hui par les départements et par le 119, qui est le numéro national pour l'enfance en danger. Malheureusement, cette augmentation du nombre d'enfants placés, elle a des conséquences qui sont dramatiques, puisque dit augmentation du nombre d'enfants placés, dit aujourd'hui établissement en sureffectif. On a de plus en plus d'établissements, de foyers, qui aujourd'hui pratiquent le sureffectif, d'ailleurs un peu comme dans les crèches, sauf que pour les foyers de l'aide sociale à l'enfance, il n'existe aucune norme d'encadrement et aucun taux, ce qui fait que quand on va en crèche, quand on va en centre de loisirs, dans des colonies de vacances ou autre, la loi nous dit qu'il faut un professionnel diplômé pour tant d'enfants. Ces normes-là ne s'appliquent pas dans les établissements de l'aide sociale à l'enfance, et ce sureffectif conduit à des situations qui sont désastreuses. En Alsace, par exemple, au foyer départemental de Strasbourg, des enfants dorment sur des lits de camp dans les couloirs. Voilà. Ça, c'est la réalité actuelle en 2023, et on craint qu'en 2024, ce soit généralisé à d'autres établissements et à d'autres types de structures. Il y a également des enfants aujourd'hui qui, faute de place, restent au domicile familial, alors même que la justice a ordonné leur placement. Et ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus terrible. Parce que quand on signale un enfant en danger, on s'attend à ce qu'il y ait une réponse institutionnelle et judiciaire et qu'une solution, une protection soit mise en œuvre le plus rapidement possible. L'aide sociale à l'enfance, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas une politique sociale comme les autres. C'est un service de secours aux populations et en l'occurrence aux enfants. Donc qui dit pas de place, dit des enfants qui restent en danger dans leur famille et potentiellement des enfants qui meurent. On a quand même un enfant qui décède sous les coups de ses parents tous les 5 jours en France. Pour la majorité de ces enfants qui sont morts sous les coups de leurs parents, ils étaient repérés déjà par les services d'aide sociale à l'enfance. Ils étaient suivis par des médecins généralistes et l'éducation nationale a également pu, dans bien des cas, effectuer des signalements qui n'ont pas été suivis des faits. Donc les conséquences, elles sont là. Quand un enfant a la chance aujourd'hui d'être placé à l'aide sociale à l'enfance,
parce qu'aujourd'hui il s'agit d'une chance, disons-le clairement, eh bien c'est dans des conditions, je le disais, qui sont désastreuses. Je me suis réflectif dans les établissements, mais on a aujourd'hui aussi des enfants qui sont pris en charge dans des campings ou dans des chambres d'hôtel. Je crois que personne ici n'accepterait que son propre enfant ait à subir des conditions d'accueil aussi indignes que celles-ci. Déplacement dans des campings, déplacement dans des hôtels, c'est sans présence éducative, c'est sans travailleurs sociaux à leur côté pour les aider, pour les épauler, pour les accompagner dans leur parcours et pour les protéger. Et on a eu des situations dans plein de départements où les conséquences ont aussi été désastreuses. Je pense par exemple à Jess qui a été placée dans un hôtel dans les Hauts-de-Seine, qui pourtant est le département le plus riche de France et qui ont des excédents budgétaires de 550 millions d'euros chaque année, qu'ils se permettent de stocker sans les utiliser et les mettre à profit pour les enfants. Et bien Jess est mort dans un hôtel, assassiné par un autre enfant placé de l'aide sociale à l'enfance. Plus récemment, c'est un autre enfant dans un camping qui a été également lui-même assassiné par un autre enfant. Alors l'enquête est toujours en cours, mais on s'oriente en tout cas vers cette piste-là, parce qu'il n'y avait aucun adulte à leur côté pour pouvoir les encadrer et les accompagner. Donc il faut aujourd'hui qu'on ouvre les yeux sur ces réalités, et puis il faut surtout admettre que le système de protection de l'enfance n'est plus en capacité aujourd'hui de remplir sa mission. Quand on est placé à l'aide sociale à l'enfance, et qu'on réussit à survivre à travers ce maillage institutionnel extrêmement complexe et extrêmement maltraitant, la misère ne s'arrête pas quand on en sort, puisque malheureusement, et Mathilde l'a dit, beaucoup d'enfants placés à l'aide sociale à l'enfance, quand ils quittent le système, se retrouvent absolument démunis. Je le disais, la politique d'aide sociale à l'enfance, c'est avant tout et surtout une politique de premier secours, de secours aux populations les plus vulnérables parmi les enfants, mais c'est aussi une politique de suppléance parentale. Et donc aujourd'hui, on a en droit de s'attendre à ce que les départements occupent, prennent la place, supplée aux parents quand cela est nécessaire, et donc apportent aux enfants toutes les conditions matérielles et l'éducation dont ils ont besoin. Et malheureusement, aujourd'hui, à 18 ans, quand un enfant sort de l'aide sociale à l'enfance, c'est la rue qui l'attend. C'est, Mathilde l'a dit, une personne sans domicile fixe sur quatre dans notre pays qui a connu un placement à l'aide sociale à l'enfance. Et c'est 40% des jeunes sans domicile fixe nés en France, âgés de moins de 25 ans, qui sortent tout droit de foyers ou de familles d'accueil. Cette situation, elle est aberrante sur le plan humain, évidemment, mais sur le plan économique aussi. La politique d'aide sociale à l'enfance, chaque année, c'est 9 milliards d'euros qui sont investis. 9 milliards d'euros. Donc ce n'est pas la plus petite des politiques sur laquelle il y a le moins de budget. Et pourtant, c'est celle qui occupe le moins de place dans les débats. Mais 9 milliards d'euros, ce n'est pas rien. C'est ce que nous, avec nos impôts, nous avons décidé En tout cas, c'est grâce à nos impôts que ces enfants, aujourd'hui, sont protégés. Et c'est grâce à la solidarité nationale que, potentiellement, ils pourraient avoir un avenir. Sauf qu'aujourd'hui, tout cet investissement est réduit à néant parce qu'on a des départements qui estiment que leur responsabilité, se situe sur du 0-18 ans et pas du 18-25 ans, qui se permettent de les jeter à la rue alors qu'il aurait suffi de quelques années pour leur permettre une insertion pleine et entière dans la société. Voilà, je pense que j'aurai beaucoup de choses à vous dire dans le temps des questions-réponses parce que franchement, faire un petit compte-rendu de ce qui se passe à la zone en 15 minutes, c'est pas possible, mais je me tiens à votre dispo. Merci beaucoup, Liès. Et juste pour continuer sur ce que Liès disait, donc vous avez compris, l'aide sociale à l'enfance, aujourd'hui, ça dépend des départements. Et donc, il y a des ruptures d'égalité très fortes entre les enfants qui sont placés, et je sais que Liès y est très sensible, surtout pour ceux qu'on appelle les mineurs non accompagnés, donc les mineurs étrangers, qui, eux, sur... Vas-y, tu veux dire quelque chose là-dessus ? Mais c'est juste parce que je vous disais tout à l'heure qu'on repère mieux les enfants en danger aujourd'hui dans notre pays. Là, il n'y a pas longtemps, et j'ai été très en colère, c'était hier, hein, avant-hier, le gouvernement a lancé une campagne de lutte contre les violences sexuelles subies par les enfants. Donc on a le droit à la grande campagne annuelle sur appeler le 119 si vous êtes témoin, si vous avez le moindre doute sur un enfant. Sauf qu'il faut le savoir, la loi, depuis 2000, donc c'est pas là, hein, ça n'a pas été voté il y a 2 ans, c'est depuis 2000, oblige l'État à former systématiquement les enseignants et tous les professionnels, y compris ceux des crèches d'ailleurs, qui sont en contact avec les enfants, au repérage des violences subies par les enfants. Il n'y a personne qui a été formé dans ce pays
au repérage des violences faites aux enfants. Donc je voulais juste finir là-dessus quand même, parce qu'il y a une hypocrisie quand on nous demande en tant que citoyen d'appeler le 119, mais qu'on ne donne pas les moyens à ces agents et aux fonctionnaires de faire leur travail alors qu'ils sont en première ligne sur le terrain à identifier ces situations-là. Et donc, exactement. Et donc, je disais inégalité entre les enfants, puisque ça dépend des départements. Donc nous, on l'a inscrit depuis très longtemps dans notre programme, et c'est une des choses pour lesquelles on milite, qui est aussi inscrit dans le plan d'urgence, pour que, de manière urgente, on renationalise l'aide sociale à l'enfance, évidemment en lui donnant les moyens, mais pour faire en sorte qu'il y ait une égalité entre les enfants qui puisse être garantie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose du plan d'urgence, qui est d'ailleurs... une des propositions que tu as fait dans un de tes livres, qui est qu'il y ait une présence obligatoire d'un avocat pour assister les enfants. Et puis je terminerai, parce qu'on parlait des violences sexuelles faites aux enfants, et notamment sur la question aussi de l'inceste. Vous savez qu'il y a la CIVIS, donc la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui doit s'arrêter en décembre 2023. Nous nous battons pour que cette commission puisse se poursuivre. Donc ça, c'est aussi un des combats qu'on continue sur cette question. Merci beaucoup, Liesse, et on reviendra de toute façon dans les questions. Alors, Nathalie Andrieux et Nequin, donc vous êtes syndicaliste FSU, vous êtes assistante sociale à l'éducation nationale. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, en cette rentrée, on voit une dégradation de la condition de vie des enfants ? Est-ce que ce que vous dit Liesse aussi fait écho à des choses que vous voyez en tant que syndicaliste ? Et surtout, qu'est-ce qui manque à l'école publique aujourd'hui pour que ce soit réellement un lieu d'égalité républicaine pour l'ensemble des enfants de ce pays ? Vous m'entendez ? Oui. Alors, bonjour. Merci d'abord, vraiment, on a été trois à le dire, mais... Moi, je vais le redire. Merci pour ce débat. Merci à vous d'être là, parce qu'on a vraiment besoin que vous portiez aussi ce qu'on est en train de dire. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible, parce que nous ne sommes pas des professions qui, d'habitude, sont mises en avant. Et donc, ce n'est pas forcément toujours facile de pouvoir expliquer ce qui se passe dans nos professions. Moi, je vais reprendre aussi, parce que pour montrer ce qui se passe dans les crèches, ce qui se passe avec la marchandisation, effectivement, pour les places en crèche, on le voit dans le travail social, on le voit à l'aide sociale à l'enfance, on parle des conseils départementaux, mais il faut savoir que se développent dans les conseils départementaux des groupements d'intérêt public qui sont en train de pouvoir mettre les personnels de l'aide sociale à l'enfance avec des personnels associatifs qui peuvent permettre aussi de pouvoir embaucher des gens sans qualification. Et c'est bien ce qu'on rencontre dans les crèches, c'est aussi ce qu'on rencontre malheureusement aussi dans la protection de l'enfance. À l'école également, de plus en plus, c'est quand même à défaut de personnel, on a des personnels non formés, non qualifiés. Et elle est là aussi, la maltraitance. C'est parce qu'on a ces personnels qui ne savent pas comment faire. Parce que s'occuper des enfants, ce n'est pas inné, malgré ce qu'on pourrait nous faire croire. Donc voilà, moi, je voulais vraiment dire qu'on a vraiment besoin de vous pour faire passer tous les messages. Alors moi, je redis aussi, il faudrait parler d'enfants à protéger. Ils sont placés parce que ce sont d'abord des enfants à protéger. Et de pouvoir redire ce que disait Liesse. Malheureusement, on a aussi des enfants qui devraient être placés et qui n'arrivent toujours pas à l'être. Moi, je voudrais étendre sur le fait qu'on parle de ces enfants qui sont à protéger en urgence, parce que voilà, c'est là où on en est, à protéger en urgence. Mais la situation de l'enfance, à l'heure actuelle, elle est inquiétante pour tous les enfants. Pour tous les enfants... de rappeler que nos enfants, ils ont tous pris cher avec le Covid. Nos enfants, ils prennent tous cher avec ce que l'on dit sur l'urgence climatique. Nos enfants, ils grandissent avec toutes ces peurs. Et ce n'est pas l'état de la psychiatrie qui va permettre de pouvoir recevoir aussi ceux qui sont le plus en difficulté et qui ont vraiment besoin de se poser. Donc c'est un état général où qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants ? Le SNUIPP, le syndicat du premier degré de la FSU,
a lancé un cri d'alarme sur ce qu'il se passe dans les départements et régions d'outre-mer sur l'accueil dans les écoles. On va rappeler que pendant la période Covid, on ne pouvait pas ouvrir, dans beaucoup de lycées de la région Île-de-France, on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres. On va rappeler que l'année dernière, il y a également des établissements, des personnels qui se sont mis en état de retrait parce que les établissements leur tombaient sur la tête. Donc c'est aussi ça, c'est tout ça. Et nos enfants, ils sont en train de tous prendre cher. Donc, attendez, je prends le temps, mais voilà. Et ce que disait Liès, effectivement, sur le fait que c'est bien qu'effectivement on puisse dire, parler, et que les appels au secours pour des enfants montent. Mais sans moyens derrière, alors le seul intérêt qu'il y a quand même, c'est qu'on en parle, et que du coup on dit « ça c'est pas possible ». Ça, c'est pas possible. Éduquer un enfant à coups de claque, c'est pas possible. Coucher avec sa fille, c'est pas possible. De rappeler ces choses-là. De rappeler aussi que non, la protection de l'enfance, c'est pas que dans les milieux les plus précaires. Quand on parle de l'inceste, il faut pas croire que c'est simplement parce que il y a pas assez de place à la maison et que tout le monde dort même dans le même lit. Pour rappeler ces choses-là, que la protection de l'enfance et les maltraitances, ce n'est pas réservé aux plus pauvres, loin de là. De rappeler que, justement, par exemple, à l'éducation nationale, faute de moyens, les assistantes sociales, elles ne sont pas dans les établissements les plus chics. Et pourtant, il s'en passe des choses dans ces familles également. Donc, voilà, de pouvoir rappeler tout ça et de rappeler que, bien entendu, que on arrive à mettre sur les épaules de tous les personnels qui sont en charge des enfants. Donc on en parle dans les crèches, on en parle à l'aide sociale à l'enfance, mais on en parle aussi à l'école. La charge est tellement lourde qu'on est en train de perdre du monde. D'abord, on a les salaires, on rappelait, dans les crèches, dans le travail social, on ne dit pas que c'est majoritairement des femmes, c'est essentiellement des femmes, avec des salaires de femmes. Et il y a le livre blanc qui a été voté au Conseil du travail social. Et pour la première fois, on a réussi à faire que la première des préconisations, il faut augmenter les salaires de ces femmes. Il faut augmenter les salaires de ces femmes parce que c'est reconnaître leur travail. C'est reconnaître le travail de tous ces professionnels. Ce n'est pas inné, ça demande des qualifications. Donc ça, c'est une... Parce que sinon, on voit partir les personnels. Donc, au final, on a de plus en plus des gens non formés. En sachant que les gens non formés, ils viennent. Et quand vous n'êtes pas formé, vous n'êtes pas en capacité de faire face à ce qui vous est demandé. Donc, vous repartez assez vite. Soit vous êtes maltraitant, soit à un moment, vous vous rendez compte et vous partez assez vite. Donc, il y a vraiment urgence. Il y a vraiment urgence. Parce que qui va s'occuper de nos enfants ? Qui va s'occuper de nos enfants et qui va s'en occuper correctement. Donc moi, je voudrais vous remercier une nouvelle fois et vraiment rappeler que nos enfants, ils ont besoin d'écoute et pas de mise au pas. Parce que c'est quand même ce qu'on entend beaucoup. Le SNU, on remet l'autorité et l'écoute. Qu'est-ce qu'on leur met comme personnel en face pour pouvoir être écouté ? Qu'est-ce qu'on leur donne comme lieu pour pouvoir s'exprimer ? C'est l'intérêt aussi. Il faut leur donner des lieux pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir dire ce qu'ils vivent et pour pouvoir dire ce qu'ils veulent aussi. Voilà, c'est eux qui vont construire notre... Voilà, il faut leur donner la parole. Ils ont plein d'idées. Il faut aussi leur donner la parole pour qu'ils puissent dire ce qu'ils vivent et ce qu'ils veulent. Merci, merci beaucoup. Alors pour redire ce qu'il y avait de nous dans notre plan d'urgence sur cette question-là, il y avait donc créé un corps de fonctionnaires d'AESH avec une vraie formation et un vrai salaire, puisque vous le savez, ces femmes sont souvent obligées, je dis ces femmes parce que c'est à 95% des femmes, sont souvent obligées de cumuler 1, 2, 3 emplois pour pouvoir arriver difficilement au SMIG, et que c'est une honte d'avoir dans un pays aussi riche que le nôtre des enfants en situation de handicap qui ne sont pas scolarisés.
Il y avait l'Observatoire de la non-scolarisation avec des moyens, ce dont je vous parlais juste avant, pour déjà connaître les chiffres d'enfants et de jeunes non scolarisés dans notre pays, notamment en Outre-mer, où c'est très, très grave, encore plus que la situation en Hexagone. Assurer la gratuité de l'éducation, garantir la gratuité des cantines, des fournitures, du transport, des sorties scolaires et activités périscolaires. Et puis j'ajouterai juste un point avant de redonner la parole à Liès qui voulait rebondir sur un des points évoqués. On parle souvent du harcèlement scolaire, à raison, parce que le harcèlement scolaire est un fléau qui touche des centaines de milliers d'enfants, voire des millions d'enfants dans notre pays, et que le harcèlement scolaire, y compris, tue dans notre pays, on le voit. Alors évidemment, ça implique d'avoir plus de présence humaine, d'avoir des assistantes sociales, d'avoir des psychologues scolaires, d'avoir des médecins, des infirmières scolaires dont on manque désespérément dans les établissements. Mais je voudrais signaler aussi l'initiative qui a été faite par le planning familial SOS Homophobie et Sid Action, qui récemment ont porté plainte contre l'État, puisqu'il y a eu dans la loi de 2001 une obligation qui a été faite de donner 3 cours par an de cours d'éducation à la sexualité, où justement on apprend ce que c'est le consentement, on apprend ce que c'est le respect des autres, le respect des genres, le respect, où on apprend beaucoup de choses sur qu'est-ce que l'égalité. Et aujourd'hui, ces 3 associations portent plainte contre l'État parce que cette loi n'est pas appliquée et que seuls 15% des élèves ont ces 3 cours d'éducation par an, comme le prévoit la loi. Or, on a impérativement besoin de ces cours d'éducation pour faire en sorte qu'on puisse avancer, notamment sur le respect et la tolérance. Et je crois que c'est une action importante qu'ont menée ces associations. Léa, je te laisse rebondir. Ouais, moi, je voulais rebondir sur le travail social, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas parler de protection de l'enfance sans évoquer ceux qui s'en occupent. Et en l'occurrence, à l'aide sociale à l'enfance, c'est majoritairement des assistantes de services sociaux, mais c'est aussi des éducateurs spécialisés. Et je voulais vous dire que dans les années 80, le salaire d'un travailleur social à l'aide sociale à l'enfance, c'était 2,5 fois le SMIC. Aujourd'hui, en 2023, c'est le SMIC plus 100 euros. Voilà. Donc il y a quand même un... Donc ça, c'est quand même une info qui est hyper importante à avoir en tête, parce que la qualité de protection de ces enfants, elle dépend évidemment de la qualité que l'on accorde, en tout cas des cadres que l'on fixe pour permettre à ces travailleurs d'avoir une qualité dans leur action. Et puis surtout, vous dire également qu'à l'aide sociale à l'enfance, même si ce sont des travailleurs sociaux qui s'occupent des plus vulnérables des vulnérables, il n'y a toujours, encore aujourd'hui, en 2023, aucune obligation d'avoir obtenu un diplôme d'État du travail social pour pouvoir exercer. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des personnes qui n'ont eu aucune expérience avec des enfants, aucune expérience en protection de l'enfance particulièrement, qui sont confrontées à des situations extrêmement complexes sans avoir les moyens de pouvoir y répondre. Et puis à l'aide sociale à l'enfance, et malheureusement de plus en plus, on est confronté à une pénurie, comme l'ensemble des professions qui viennent en aide et qui s'occupent des enfants dans notre pays. Et cette pénurie de professionnels, elle a elle aussi des conséquences dramatiques, puisqu'un éducateur ou une éducatrice à l'aide sociale à l'enfance, dans bien des départements aujourd'hui, c'est plus 15 enfants, 20 enfants dont elle a la référence. C'est 40, 50, 60. Donc on ne peut pas faire du travail un travail convenable quand on a 60 enfants sur sa file active qu'on ne peut même pas rencontrer au moins une fois par mois. Ça, ce n'est pas possible. Donc voilà, je voulais absolument parler de ça, mais on pourrait le développer à d'autres secteurs. Je vois, là, il y a Anissa dans la salle qui est une militante extraordinaire qui a lancé le MeToo Animation et qui s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup penchée sur ce monde-là et qui peut, je pense, faire exactement les mêmes constats dans les centres d'animation, les colonies de vacances, les centres de loisirs. Donc voilà, si on veut correctement s'occuper de... Si on veut que nos enfants soient correctement protégés dans toutes les institutions qui sont en charge de leur accueil, il faut revaloriser ces professions et il faut leur accorder de l'importance dans la société. Oui, moi je voulais dire que effectivement, la protection des enfants et de la mise vraiment en protection en urgence qui est un placement, quand on en arrive à un placement, c'est que bien souvent, la plupart du temps, on a aussi essayé plein d'autres, on a essayé de tenter plein d'autres solutions. Hein. Placer un enfant, c'est pas, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, c'est pas compliqué quand on est sur une question de vie et de mort. Hein.
Mais par contre, quand on sent que la vie en famille, c'est en train de détruire petit à petit un enfant et qu'on n'arrive absolument pas... Il faut le protéger. C'est compliqué pour un travailleur social, hein, un placement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et parce que ce qui nous manque, c'est de la prévention. Et c'est de la prévention. Quand on se rappelle que les éducateurs de prévention, qui a encore des éducateurs de prévention formés, qualifiés, avec diplômés de leur diplôme d'éducateur spécialisé, ben on les a fait disparaître. Hein. On a préféré mettre aussi du répressif derrière et pas de la prévention. Donc voilà, il y a aussi tout ce côté de prévention qui est totalement oublié, qui se rappelle que les assistantes sociales scolaires, c'est le service social scolaire, c'est un des premiers services sociaux créés en France il y a plus de 100 ans. Mais c'est pourtant un service qu'on oublie régulièrement. On parle bien souvent des infirmières, des médecins, des psychologues, mais on a la prétention depuis plus de 100 ans dans l'école d'avoir fait avancer aussi la place de ceux qui étaient le plus en difficulté et ceux qui allaient le moins. Mais comme tous ces métiers, bien souvent, on travaille avec le secret professionnel et on a bien des fois, bien souvent, à pouvoir avoir la difficulté à les pouvoir dire toute l'importance que vous puissiez aussi être là pour pouvoir porter tous ces messages. Merci beaucoup. Je vais laisser un tour de parole. Antoine, ça te dérange. Bonjour, alors moi je suis arrivée en cours de route, donc peut-être que la question des places en famille d'accueil avait été abordée avant mon arrivée. Mais alors c'est juste une catastrophe. Moi ça fait 20 ans que je suis psychologue en protection de l'enfance et je vais quitter mon travail parce que j'en peux plus. Il y a des enfants dans mon département qui n'ont pas de lieu d'accueil. Et comme ils n'ont pas de lieu d'accueil, ils font 2 nuits d'un côté, 3 nuits de l'autre, une semaine par-ci, une semaine par-là. J'ai l'impression de travailler à l'assistance publique en 1923. Il y a des enfants cette année qui n'ont pas fait leur rentrée scolaire, qui sont dans les locaux, qui entendent leurs éducateurs chercher des places, passer 70 coups de fil pour leur trouver une place. Et ben moi, je vais partir en libéral, après 20 ans, en protection de l'enfance, parce que j'en peux plus. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur le recueil de la parole de l'enfant, que effectivement favoriser la parole, comme avec les femmes victimes de violences, on entend l'enfant. Il faut que ce soit vraiment par un professionnel, parce que si l'enfant se confie et qu'il n'y a pas de suite, qu'il n'y a pas de travail derrière, il perd confiance dans l'adulte et plus jamais il ne parlera. Voilà. Bonjour. Moi, je voulais parler d'un sujet qui est un peu connexe, mais qui est aussi une forme de maltraitance faite aux enfants. En fait, la question de la précarité et de la malnutrition infantile. Moi, je travaille dans une association qui s'appelle Mamama, qui a été créée en 2020, qui fait de l'aide matérielle et aide alimentaire pour des mères isolées avec des nourrissons. Et tous les jours, on a des femmes qui viennent, qui n'ont pas les moyens de donner du lait infantile à leur enfant, des couches, des petits pots, parce que c'est des produits qui sont extrêmement chers et pour lesquels c'est toujours les mêmes entreprises qui ont des grands monopoles, Danone, Ledina, Gallia. Et en fait, nous, on travaille en direct avec ces femmes, mais on travaille aussi avec des professionnels de santé dans les PMI. Les PMI, c'est un service public qui est extraordinaire, qui est hyper développé sur le territoire, qui fait un travail de fou. Mais c'est des professionnels qui n'ont aucun moyen d'agir contre une situation qui est médicale, la malnutrition des enfants, qui aura des conséquences, qui est en train de grandir et qui a une vraie bombe à retardement sanitaire. On estime qu'en France, il y a 300 000 enfants qui vivent dans des foyers qui n'ont pas les moyens, 300 000 enfants de moins de 3 ans, qui vivent dans des foyers qui n'ont pas les moyens de leur donner le strict nécessaire pour leur développement. Et donc, ça entraînera des pathologies chroniques, des retards de développement. C'est un problème qui est immense. Et ces professionnels de santé ou les professionnels de l'action sociale, ils n'ont pas les moyens d'y remédier parce qu'il n'y a pas de ligne budgétaire pour l'alimentation. Alors que à cette situation médicale, de malnutrition, la réponse, c'est de la nourriture.
Donc moi, j'avais envie d'adresser cette question-là, qui est aussi une forme de maltraitance des enfants et des professionnels de santé qui n'ont pas les moyens d'agir et qui, du coup, aussi sont démunis et malgré eux. Ouais. Voilà. Bonjour à tous, merci. Merci à la France Insoumise d'organiser ce débat. Au-delà du clivage politique, on est venu en collègue aujourd'hui. On ne trouvait pas de lieu où on pouvait parler de ce sujet, donc merci beaucoup, ça fait beaucoup de bien. La question qui est posée aujourd'hui, c'est pourquoi la France maltraite ses enfants. Je pense qu'on sait tous pourquoi. La France maltraite tout le monde. Elle maltraite les enfants, elle maltraite les gens plus âgés, elle maltraite les salariés, elle maltraite tout le monde. Parce que c'est un système que nous devons combattre, c'est un système qui pourrit tout, un système capitaliste, un système libéral, qui ne fait pas cas de l'humanité, mais qui voit les gens comme des chiffres, comme des numéros. Et même dans le lexique aujourd'hui qui est utilisé en travail social, on parle de prise en charge, on ne parle pas d'accompagnement, on voit les gens comme des chiffres, on voit les enfants comme des chiffres, et ça c'est quelque chose que l'on vit au quotidien et qui est très très difficile à vivre. Alors, puisqu'il faut pas poser quand même une question, juste pourquoi la France maltraite ses enfants, les représentants de l'État français maltraitent les enfants aussi par leurs mots. Je ne sais pas si vous vous souvenez du préfet de l'Hérault récemment qui légitimait la violence sur les enfants, ça n'a pas fait de mouvement, il y a très peu de personnes qui ont réagi, ça passe à côté. Et ça reste en suspens, ça n'interroge personne. Moi, je fais des stages de responsabilité parentale, c'est des espaces très, très intéressants, où j'entendais un délégué du procureur qui me disait « Bon, ben, ça ne sert pas à grand-chose, de toute façon, une taloche à un enfant, ça n'a jamais fait de mal. » Un délégué du procureur. Donc, je vous laisse imaginer ma colère. Donc, puisqu'il faut quand même poser une question, il y a la présidente du groupe de la France Insoumise aujourd'hui, est-ce que l'intergroupe NUPES à quelque chose qui a été travaillé justement pour mener cette bataille-là à l'Assemblée nationale, pour qu'il y ait un projet de loi, pour qu'il y ait un peu de remous, pour qu'on donne des moyens aux professionnels, parce que les professionnels sont en souffrance et en très très grande souffrance. Voilà. Donc merci à tous en tout cas de venir écouter ça, c'est très important, et de pouvoir le diffuser le plus largement possible. Il faut que ce sujet soit pris comme il est, c'est-à-dire une urgence, parce que la situation est dramatique. Voilà. Bonjour. Moi, j'avais une question plutôt sur la question de la renationalisation du coup, de l'aide à l'enfance. Parce que dans le cadre personnel, cet été, j'ai été amené dans le département du Gers à travailler avec une conseillère départementale qui s'occupait des questions de l'enfance et de la petite enfance. Et en fait, elle avait un vrai rôle et un vrai poids sur la gestion des cas au cas par cas avec sa connaissance et aussi le poids politique qu'elle pouvait avoir. Et moi, j'ai peur que, du coup, le fait de renationaliser on perde un peu ce lien et le poids aussi qu'un élu local peut avoir pour débloquer certaines situations qui sont dramatiques. Pour le coup, elle avait par exemple une personne transgenre qui avait 21 ans, qui était à la rue, qui avait plus de solution. Elle a réussi quand même à négocier avec ses équipes techniques pour lui trouver une solution et débloquer la situation. Et moi, j'ai peur que, du coup, si on passe sur un côté où il n'y aura plus que des techniciens au niveau local, on perde un peu cette opportunité que... Voilà. On va faire un premier tour de réponse et puis on pourra peut-être en reprendre un après. Merci, Antoine. Est-ce que vous voulez commencer à réagir à des choses ? Oui, allez-y, et puis après, comme ça... Je te donne la parole, Yes. Moi, je voulais remercier la psychologue qui est intervenue. Parce que toute l'émotion qu'elle a donnée dans sa voix, c'est l'émotion de l'ensemble des travailleurs sociaux. De pouvoir dire qu'à l'heure actuelle, les travailleurs sociaux, les personnes qui travaillent auprès des enfants, à l'heure d'aujourd'hui, il faut qu'ils protègent les enfants contre leurs propres institutions. Et tout en essayant de se protéger eux-mêmes, parce que rappelez que se prendre la souffrance des autres, c'est se prendre de la souffrance aussi. Et que malheureusement, nous, on nous apprend dans nos formations que normalement, on est censé avoir
de la prise en charge nous-mêmes de ce que l'on peut, de ce que l'on prend, ben ça, on court après. Hein, ça, c'est quelque chose qui... Quand on arrive à avoir un groupe d'analyse de pratique, c'est extraordinaire. Ça nous prend sur nos groupes de formation. Donc vraiment, vraiment un grand merci à la collègue et de pouvoir répondre que, ben, bien entendu qu'on demande des personnels formés. Parce que recevoir la souffrance, si c'est pas fait correctement, vous le dites, mais alors en plus aussi, les personnels qui le reçoivent, eux également. Quoi. S'ils sont pas formés à ça, vous vous abîmez sérieusement. Et puis, qui se rappelle qu'il y a une loi qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à passer en France, alors que d'autres pays ont réussi bien plus tôt, qui était contre les violences ordinaires. Elle est passée, mais elle a été présentée, elle n'est pas passée, elle est représentée. Et on a réussi à un moment, parce que la honte sur la France, quand on voyait tant d'autres pays qui avaient pu voter cette loi, mais à l'heure d'aujourd'hui... n'y a rien d'autre, il n'y a rien de fait. On a eu un moment, un clip pour rappeler que telle chose et telle chose, ça ne devait pas se faire. Mais voilà, il y a eu une fois. Et depuis, qu'est-ce qu'il y a comme accompagnement à la parentalité? Ça, c'est... Voilà, être parent, ce n'est pas si simple. Donc, et je voulais pouvoir dire, effectivement, que par rapport à la recentralisation de l'aide sociale à l'enfance, de pouvoir rappeler que... En matière de protection de l'enfance, c'est comme pour les crèches, comme pour tout ce qui est autour de l'enfance, on délègue toujours à d'autres, il y en a qui sont ravis de récupérer et de faire du fric là-dessus. On fait du fric sur nos enfants, et de pouvoir le dire. Hein, et attention, c'est pas parce que c'est associatif qu'il y en a qui font pas de fric en étant associatif. Hein, on a des grosses associations. On ne citerait pas, mais qui sont très proches de M. Macron et qui prennent tout, qui sont en train de bouffer toutes les petites associations qui étaient vraiment spécialistes et qui avaient toute leur expérience et leur histoire et qui, eux, à la fin, prennent les contrats. Hein. Mais moi, je peux vous dire, quand ils ont une mesure, elles ne sont pas appliquées. Donc, c'est aussi ça. C'est pour ça qu'il y a urgence à ce que ça relève effectivement du service public et qu'on ne puisse pas déléguer comme ça, parce que à force de déléguer, il y en a qui récupèrent vraiment ces marchés sans le fondement même de la protection de l'enfance. Merci, Iliès. Je ne sais pas où elle est passée, la collègue qui s'est exprimée. Ah, parce que les lunettes de soleil, je ne vous voyais pas. Déjà, évidemment, je vous apporte tout mon soutien et je pense que c'est important que vous ayez pris la parole pour exprimer ce désarroi, parce que c'est un désarroi qui est, je suis moi-même éducateur spécialisé, qui est partagé par de plus en plus de collègues dans les services associatifs, mais comme dans les services d'aide sociale à l'enfance. Et il faut que les gens l'entendent, parce qu'on a très peu de soutien sur ces causes-là, on a très peu de soutien pour revaloriser nos professions. On ne s'exprime que rarement publiquement. Quand on fait des manifestations de travailleurs sociaux, si on est 300, 400, c'est déjà énorme, historique même. Je vous invite à relayer ces paroles-là. Et si vous êtes si vous évoluez dans des sphères syndicales, politiques, militantes, venez gonfler nos rangs quand on manifeste pour le travail social. Parce qu'à nous seuls, on le voit tous les jours, on n'y arrive pas. Voilà, ça c'est hyper important. Donc si vous voulez agir de manière très concrète, déjà c'est en commençant par ça, venez manifester avec nous, même si vous n'êtes pas des professionnels, parce qu'il faut nous soutenir, ça va conduire. Et on l'a déjà dit, et la collègue, j'imagine, a déjà dû le dire plein de fois, cette situation va amener à des drames comme à l'hôpital public. On va avoir des suicides dans les services d'aide sociale à l'enfance. On va avoir des professionnels qui ne vont plus pouvoir se lever le matin pour remplir leur mission et qui vont craquer et qui craquent déjà. Donc vraiment, ça, c'est hyper important. Je vous repasse, parce qu'il y a plein de questions, mais je vous repasse juste après la parole parce que j'aimerais vraiment que vous continuiez de vous exprimer. C'est hyper important. Vous avez parlé des familles d'accueil. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'on peut pas tout dire, mais on a aussi une grave crise de pénurie chez le métier de famille d'accueil. Moi, j'ai toujours considéré que les familles d'accueil, c'était la plus belle chose qu'on ait fait
dans notre pays en matière de protection de l'enfance. C'est le plus beau dispositif, et d'ailleurs l'ONU le dit elle-même, puisqu'elle considère que l'accueil familial, donc dans une sphère familiale, c'est l'accueil le plus protecteur des droits des enfants et celui qui respecte le mieux ses besoins fondamentaux. Aujourd'hui, on a une pyramide des âges qui est extrêmement défavorable, et la majorité de nos familles d'accueil vont partir à la retraite dans les années à venir sans être remplacées, puisque personne aujourd'hui ne souhaite faire ce métier. Pour plusieurs raisons, parce que déjà il y a une déconsidération totale dans la société, mais aussi nous, dans nos services de protection de l'enfance, quand on est éducateur vis-à-vis d'elle. Donc il y a un mépris de classe, parce que c'est essentiellement des femmes issues de quartiers de classe populaire et qui par les travailleurs sociaux souvent sont méprisés. Ça, moi je le vois tous les jours. Donc on a aussi nous-mêmes un travail à faire dans nos propres rangs à leur égard, et c'est un travail qui devient urgent. Mais pas que, c'est aussi lié à leur statut qui est très particulier. C'est un statut qui est extrêmement dérogatoire au code du travail. Si un département demain décide de ne plus leur confier d'enfants de manière très arbitraire, quand bien même elles feraient leur travail de manière correcte et avec une implication totale, elles sont considérées comme licenciées d'office dans les 2 mois. Donc c'est très insécurisant aujourd'hui d'être famille d'accueil. Et pour des personnes qui auraient souhaité faire ce métier-là, on est confronté à d'autres barrières qui d'ailleurs ne sont pas juridiques ou réglementaires, mais qui sont purement idéologiques, où on leur interdit de cumuler ces fonctions avec un autre travail. Nous, très tôt, on a dit, si on veut des familles d'accueil dans ce pays, parce qu'il faut sauver le système de protection de l'enfance grâce à l'accueil familial, il faut pouvoir leur permettre d'occuper un second emploi. Les temps ont évolué, on n'est plus à l'époque de la DAS ou de l'assistance publique, c'est majoritairement des femmes qui exercent ces professions, et aujourd'hui, oui, les femmes travaillent. Donc je ne vois pas en quoi il serait antinomique d'occuper une fonction, un travail à côté et d'accueillir un enfant placé chez soi, alors pas 3 comme ça peut être le cas majoritairement aujourd'hui, mais 1 et sur des tranches d'âge extrêmement définies. Donc voilà, ça c'est des propositions qu'on a déjà formulées, mais sur lesquelles 5 parfois, mais c'est des propositions sur lesquelles on n'a pas eu encore gain de cause. Donc pareil, si vous avez la possibilité de porter ces messages là faites-le. Sur l'aide alimentaire, je ne saurais que trop dire. Je veux dire, on a les chiffres du Resto du Cœur qui nous disent que de 110 000 à 120 000 enfants rien que l'année dernière, enfants de moins de 3 ans ont dû bénéficier de l'aide alimentaire. Moi, j'ai envie de dire au gouvernement de se réveiller. Les gens sont de plus en plus pauvres dans notre pays. On est confronté à des situations qui ont été décrites par Victor Hugo dans Les Misérables. C'est ça, la réalité. Donc, on chute sur tous nos indicateurs. Tous les indicateurs sont rouges. La pauvreté des enfants, la nécessité de pouvoir bénéficier de l'aide alimentaire pour les enfants, notamment particulièrement ceux qui ont moins de 3 ans. La prostitution des enfants augmente. Le nombre d'enfants handicapés non scolarisés augmente également. Le nombre d'enfants à la rue, c'est plus 20% cette année. Je veux dire, y a un moment où, oui, on a juste envie de dire que c'est plus sur des actions citoyennes et locales qu'on va réussir à résoudre cette crise. C'est des mesures politiques d'ampleur, structurelles, importantes, qui viendront faire changer la situation. Donc oui, s'il y a un mot d'ordre, vraiment, c'est le gouvernement, débouchez-vous les oreilles et prenez vos responsabilités. Parce que ces situations-là, elles sont insupportables. Je pense qu'on parle avec beaucoup d'émotion aujourd'hui, parce que quand on y est confronté tous les jours, en fait, on en a juste ras-le-bol. Voilà, on en a juste ras-le-bol. Sur la France qui maltraite ses enfants, et je suis tout à fait d'accord avec le camarade communiste, j'imagine. Je le vois au bout d'oreille. Mais je rajouterai que ce n'est pas que ça. Ce serait trop facile, je trouve, d'amener que cela comme explication. Pour moi, il y a aussi une autre explication, c'est que les enfants ne votent pas. Les enfants ne votent pas, c'est-à-dire mener des politiques publiques à leur destination, à leur égard, dans leur intérêt, et élaborées à leur hauteur, ça ne rapporte aucune voix aujourd'hui. Et ça, c'est pas juste de la responsabilité des responsables politiques, c'est notre responsabilité collective, à nous tous. Quand on vote, parce qu'il y a un taux d'abstention qui est énorme, mais aux élections départementales, combien font le déplacement jusqu'aux urnes avec en tête que quand vous votez aux élections départementales, c'est l'avenir de milliers d'enfants placés sur votre territoire que vous allez définir? Qui regarde le programme? Qui exige de ses élus et de ses représentants politiques d'avoir l'obligation systématique de formuler des propositions à l'égard des enfants, dans le cadre de la présidentielle, dans le cadre des élections départementales, mais là également dans le cadre de l'élection européenne, parce que l'Europe a un rôle aussi fondamental à jouer dans la défense des droits fondamentaux des enfants. Donc ça, c'est des choses aussi très concrètes que l'on doit s'imposer. Il faut qu'on ait un niveau d'exigence vis-à-vis de nos responsables politiques, vis-à-vis de nos élus, qui soit beaucoup plus important que celui que l'on a actuellement. Et par ailleurs,
au-delà de cette histoire électorale et du fait que les enfants ne votent pas, moi je pense qu'il y a aussi un vrai enjeu sur notre manière de penser la place des enfants dans la société. Alors évidemment, on tire un héritage du code napoléonien avec la puissance paternelle, mais où les enfants étaient considérés comme des objets et non pas comme des sujets de droit. Eh bien cet héritage persiste aujourd'hui, et ça c'est dans nos familles qu'on peut les faire évoluer, qu'on peut faire évoluer nos mentalités. Donc redonner une place aux enfants et enfin affirmer haut et fort et faire vivre leurs droits en disant systématiquement que non, ce ne sont plus des objets en 2023, ce sont des êtres humains dotés de droits. On a été le premier pays à ratifier, à signer la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est pas pour du vent, c'est pour que ça s'applique. Et ça, voilà, c'est déjà faire changer ses mentalités à cet égard, ça nous aidera. Et puis c'est impératif. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on fasse le même travail que ce que les féministes ont pu faire, ont commencé à faire il y a bien, bien longtemps, et qu'elles continuent de faire encore aujourd'hui, malheureusement. Mais nous, sur les enfants, oui, on est très à la traîne. Et ce changement, c'est un changement culturel aujourd'hui qui doit être obligatoire. Sur l'intergroupe NUPES, je vais aborder un sujet, moi, qui m'a posé problème. Et ça rejoint la question sur la recentralisation de l'aide sociale à l'enfance. J'expliquerai après pourquoi, pour moi, c'est important et en quoi ça peut permettre de faire évoluer le système de protection de l'enfance. Mais en tout cas, c'est une revendication qui a été portée par la France Insoumise, inscrite dans le programme à l'élection présidentielle, et c'est une revendication qui a été portée par Sandrine Rousseau dans le cadre de la primaire des écologistes. Quand il y a eu la NUPES, moi, j'ai regardé ça avec beaucoup de positivité, on va dire, presque de soulagement. Et je me souviens, je sais pas si c'est toi ou Hugo Bernalicis que j'ai appelé, mais bon, j'ai dit, s'il y a l'intergroupe, parce que c'est là où les arbitrages vont se faire pour le programme dans le cadre de l'intergroupe et donc le programme de la NUPES, j'ai dit, la mesure phare qu'il faut porter, c'est la recentralisation. Ça a été refusé par les communistes, ça a été refusé par les socialistes, ça a été refusé par une partie des Verts. Ça, moi, je trouve que c'est extrêmement problématique et je vais du coup aborder tout de suite la question de la recentralisation pour que vous compreniez mieux pourquoi. Mais aujourd'hui, on a 101 départements en France qui sont majoritairement tenus par la droite, mais dont certains sont tenus par les socialistes et les communistes. Et dans plusieurs exécutifs, on peut retrouver aussi des Verts. 101 départements, aujourd'hui, c'est 101 politiques publiques différentes. C'est-à-dire qu'un enfant placé n'a pas les mêmes droits en fonction de son lieu de naissance. Et ça, c'est vraiment extrêmement cruel. C'est-à-dire que si tu nais à Paris, si tu nais... Alors, je vais le formuler autrement pour qu'on comprenne bien, mais si tu nais dans un département de gauche, même si la gauche est loin d'être irréprochable en matière d'administration de ces départements et particulièrement de pilotage de sa politique d'aide sociale à l'enfance, tu as plus de chances que si tu nais dans un département de droite. Voilà. Donc, je crois que c'est une situation qui, déjà, de base, est inacceptable. Mais la décentralisation de l'aide sociale à l'enfance, dans les années 80, elle avait trouvé sa source dans un argument principal, celui que la proximité avec les citoyens allait permettre de mieux repérer les enfants en danger, de mieux travailler avec les familles et donc d'éviter d'avoir à saisir l'autorité judiciaire pour prendre des décisions. Ça, c'était le premier argument de la décentralisation en matière de protection de l'enfance, de dire les élus, en effet, seront plus à même de collaborer avec les familles dans l'intérêt des enfants. Force est de constater 40 ans après que le nombre de placements judiciaires est en augmentation constante au détriment du nombre de placements administratifs. Un placement administratif, c'est un placement qui est effectué avec le consentement des parents sans que l'autorité judiciaire n'intervienne. Donc c'est un travail en bonne intelligence entre une collectivité et une famille pour lui apporter le maximum d'aide et de soutien possible. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que si la décentralisation avait vraiment fait ses preuves, on aurait eu une augmentation massive du nombre de mesures administratives au détriment de mesures judiciaires. Donc le travail de proximité n'a toujours pas été établi 40 ans après. En revanche, ce que l'on peut observer sur le terrain, et particulièrement quand on milite pour une amélioration des droits des enfants placés, et c'est extrêmement compliqué parce que du fait de la décentralisation, c'est pas avec un interlocuteur qu'il faut avoir affaire, mais avec 101 interlocuteurs différents, eh bien on se rend compte qu'on a un système de baronnie locale, voilà, où les présidents de département, du fait que ça ne leur rapporte rien, notamment sur le plan électoral, se désintéressent complètement de ces politiques-là. Donc pour leur faire prendre conscience qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans leur territoire et qu'il y a des axes de réforme à mener avec des propositions très concrètes, c'est déjà un parcours du combattant en soi.
Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la protection de l'enfance doit être une compétence régalienne de l'État, parce que j'estime que c'est à ce niveau-là qu'il faut situer cette politique publique pour lui accorder toute son importance, au même titre que la justice, que la sécurité, que la santé, que les armées, que les affaires étrangères. Voilà, pour moi, ça, c'est quelque chose qui, philosophiquement, doit être réaffirmé et même porté par la gauche. La recentralisation de l'aide sociale à l'enfance, elle aurait plusieurs vertus. La première, ce serait déjà d'avoir un seul pilote dans l'avion et pas 101. Moi, j'ai entendu l'argument sur est-ce qu'il est plus facile du fait de la décentralisation de négocier avec les élus ou les administrations départementales pour obtenir des choses. En fait, j'avoue, j'ai beaucoup de mal à supporter ça parce qu'aujourd'hui, on se bat pour que tous les enfants placés aient des droits. Donc, on ne devrait même pas être dans une négociation avec les départements. Ils devraient appliquer la loi. Et tous les rapports, que ce soit, et encore là cette année, le rapport sénatorial, donc rédigé par un sénateur de droite, c'est vraiment un sénateur de droite qui le dit, c'est que les départements aujourd'hui n'appliquent pas les lois. Ce qui fait que oui, on est contraint d'entretenir des relations beaucoup plus fortes avec les élus pour espérer qu'un jour, peut-être, ou dans des cas individuels, ils appliquent la loi. Mais ça, c'est inadmissible. Par exemple, l'année dernière, on a fait voter un droit au retour pour les jeunes majeurs de l'aide sociale à l'enfance. Donc la personne dont vous parliez tout à l'heure, si on regarde le code de l'action sociale et des familles, elle avait déjà le droit de réintégrer les services de protection de l'enfance. La vraie question, c'est pourquoi les élus, pourquoi le président de département, qui est le chef de file, refuse d'appliquer les lois? Pourquoi? Ça, c'est inadmissible que dans une société comme la nôtre, des collectivités territoriales refusent d'appliquer des lois et refusent d'appliquer des décisions de justice. On a des milliers d'enfants qui bénéficient d'une décision de justice qui ordonne leur placement à l'aide sociale à l'enfance, qui, parce que les départements n'ont pas décidé de mettre les moyens, ne sont pas exécutés. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est autant d'enfants en danger qui restent à domicile et probablement qui risquent la mort. Voilà. Donc on n'en est plus à devoir négocier, il faut que la loi soit respectée et appliquée. On l'exige pour d'autres, on a le mot facile pour qualifier d'autres personnes de délinquants, mais aujourd'hui les premiers délinquants c'est les départements en fait. C'est les départements. Recentraliser c'est avoir un pilote, mais c'est aussi redonner au Parlement du pouvoir. Aujourd'hui, quand on veut améliorer la loi, quand on veut rajouter des moyens financiers, parce que les élus de la nation, les élus du peuple l'ont décidé, on est confronté à un barrage juridique qui est un barrage constitutionnel, puisque la Constitution prévoit qu'il y a la libre administration des collectivités territoriales. Donc on ne peut pas imposer aux départements un mode de fonctionnement, une manière de faire, des dépenses, etc. Ils sont chefs de file, maîtres à bord de leur navire et ils décident ce qu'ils ont envie de décider. Et moi, je pense que recentraliser l'aide sociale à l'enfance, ça permettrait aussi aux élus de la nation, aux représentants du peuple, de pouvoir réaffirmer et de pouvoir clarifier que oui, l'enfance doit être une priorité et que donc, dans le cadre des textes budgétaires, on va mettre les moyens. Et moi, je défie n'importe quel élu, qu'il soit de droite ou de gauche, de se présenter au Parlement, de regarder les Français droit dans les yeux et de leur dire je ne veux pas, je refuse de mettre de l'argent pour sauver des enfants de la mort. Voilà. Donc je pense que ça permettrait aussi de clarifier politiquement les règles du jeu et ça nous permettrait, quand on milite sur ces sujets, de pouvoir créer un rapport de force qui permettrait enfin d'obtenir des avancées, non pas que pour un département ou deux, pour certains enfants placés, mais pas tous, mais bien pour l'ensemble du public que l'on a la charge de protéger. Sur la recentralisation, honnêtement, je crois que ça nécessiterait un débat à part entière parce que c'est un sujet qui est extrêmement clivant, alors même à gauche, hein, et je trouve ça vraiment dommage, mais il y aurait aussi d'autres arguments. Aujourd'hui, les départements, enfin 90% des mesures sont d'ordre judiciaire, je le disais. Donc il faut se poser, plutôt que de vouloir à tout prix maintenir la décentralisation telle qu'elle est, il faut se poser quel est l'intérêt de cette décentralisation actuelle. Les départements, leur rôle unique actuellement, c'est de payer des associations pour accueillir des enfants placés. Mais nous, ce dont on a besoin, c'est aussi d'une politique interministérielle, puisque les enfants placés, comme n'importe quel autre enfant, ils fréquentent l'école. Et d'ailleurs, 70% d'entre eux sortent du système sans aucun diplôme. Seuls 13% des enfants placés réussissent à s'inscrire, ça ne veut pas dire obtenir, à s'inscrire en bac, quel que soit le bac, un pro général, contre 51% en population générale du même âge. On a un risque de décrochage scolaire qui est 4 fois supérieur à la moyenne et un taux de déscolarisation, c'est-à-dire on quitte l'école 3 fois plus que les autres enfants en population générale. On a également besoin d'avoir des soins. Donc les enfants placés fréquentent le système de santé. On a un enfant placé aujourd'hui sur 4 qui a une reconnaissance administrative de handicap. Ces enfants, ils sont les plus sacrifiés des sacrifiés parmi les enfants placés, puisque dans beaucoup de territoires, et ça a été dit par la collègue, les réseaux de soins sont défaillants.
Donc la pédopsychiatrie est en désastre complet, le financement des établissements, enfin des établissements, en tout cas de la prise en charge des enfants placés handicapés dans des réseaux de soins est extrêmement complexe, puisque l'ARS et les départements ne communiquent pas entre eux ou refusent de le faire sciemment. Donc voilà, recentraliser, et je pourrais ça développer sur une multitude de sujets, mais recentraliser, c'est aussi permettre au gouvernement d'avoir un pilote, une administration qui serait capable de mettre tout le monde autour de la table dans l'intérêt des enfants et d'exiger de ces administrations un travail en bonne intelligence et des mesures très concrètes pour un public qui souffre encore d'énormément d'invisibilité et qui reste dans l'angle mort des politiques publiques. Donc c'est nous sortir de l'angle mort des politiques publiques, et ça honnêtement c'est hyper important, ça peut sauver des vies. Je crois que j'ai fini. Merci beaucoup, Lies. Vous comprenez pourquoi je le présentais comme un pont sur la question des droits des enfants. Non, Lies a quasiment tout dit, mais je veux juste rajouter deux petites choses sur ce qui était dit tout à l'heure sur le préfet de l'Hérault, juste pour signaler, mais nous, on fait fréquemment, lorsque on voit des atteintes à la loi, et notamment le fait justement de légitimer les violences sur les enfants, comme ça a été fait par le préfet de l'Hérault. Il y a William Martinet et deux élus de l'Hérault qui ont saisi le procureur de la République sur les propos qui ont été tenus. Donc on attend les suites qui seront données sur cette question. La deuxième chose sur ce que fait l'intergroupe NUPES, alors déjà, on a gagné quelque chose à l'Assemblée nationale, qui était demandé depuis des années, c'est qu'à l'Assemblée nationale, vous avez des commissions permanentes, donc des commissions qui vont s'occuper des affaires sociales, qui vont s'occuper de tout ce qui est loi, donc justice, police, liberté publique. Vous avez sur le développement durable, écologie, bon, donc vous en avez 8. Et ensuite, il y a des délégations, donc des groupes de travail de députés qui travaillent sur des sujets particuliers, qui produisent des lois, qui font des auditions. Donc vous aviez jusqu'alors la délégation aux collectivités territoriales, la délégation aux droits des femmes. Et depuis cette mandature, on a gagné qu'il y ait une délégation aux droits des enfants. Donc pour nous, ça c'est très important parce que ça nous permet justement d'avancer sur ces sujets. Première des choses. Deuxième chose sur l'intergroupe NUPES, effectivement, on n'a pas réussi encore à convaincre nos interlocuteurs sur la nécessité de recentraliser l'aide sociale à l'enfance, notamment parce qu'il faut le dire, parce que beaucoup sont aussi aux manettes de département et réagissent un peu comme a réagi la Première ministre sur cette question-là, en disant ne dites pas que les départements ne font pas bien leur boulot. Alors que là aussi, l'enjeu, et c'est tout l'enjeu de ce que Lies Le Foc vous a montré, l'enjeu n'est pas là. Enfin, si, et d'ailleurs, parfois, l'enjeu est là, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a des politiques qui sont menées dans certains départements qui ne sont pas du tout vertueux, bien au contraire. Mais l'enjeu, c'est une question, tout comme nous, on se bat sur la question de l'égalité des citoyens, c'est l'égalité devant la loi, devant de l'État, devant tous les enfants qui sont placés, notamment si on parle de l'aide sociale à l'enfance, et je le disais en particulier des mineurs non accompagnés qui sont, alors on parlait effectivement de ceux qui sont sacrifiés parmi les sacrifiés, et puis là vous avez les sacrifiés parmi les sacrifiés, parmi les sacrifiés des enfants, alors que là aussi la France a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant et donc qui concerne les enfants, quelle que soit leur situation administrative par ailleurs. Ça fait quand même du bien de le rappeler dans ce pays quand on raconte n'importe quoi sur cette question. Donc nous, on avance sur l'intergroupe, on a produit des lois ensemble, on en a fait sur la rentrée, sur la question de la gratuité réelle de l'école pour que tous les enfants puissent accéder à l'école. On continuera d'en faire ensemble et on continue d'essayer de convaincre sur cette nécessité dont nous, on est absolument persuadés, de recentraliser l'aide sociale à l'enfant. Je dirais une dernière chose, on s'est battu dans le mandat précédent, et Lies Le Foc y a joué un rôle fondamental, sur la question des sorties sèches dont il parlait. Donc, c'est-à-dire que quand vous sortez de l'aide sociale à l'enfance à 18 ans, de toutes ces personnes qui se retrouvent du jour au lendemain à la rue, avec un nombre de SDA, je vous disais, où c'est complètement disproportionné, de personnes qui ont été des anciens enfants placés, et on s'est battu pour que tout le monde puisse avoir droit à des contrats jeunes majeurs, c'est-à-dire qu'on puisse continuer à avoir une prise en charge, et donc de l'argent, une protection, jusqu'à, bon, alors il y avait des discussions, mais c'était là, à ce moment-là, la discussion, c'était jusqu'à 21 ans. On l'avait gagné en commission, et derrière, c'est le gouvernement qui a détricoté ce qui avait été gagné, pourtant, à la majorité de l'Assemblée, alors que... Et déposé par eux à la base, alors que c'était le moment où
les macronistes avaient la majorité absolue dans l'Assemblée nationale. Donc en plus, on a des sabotages qui se font uniquement, alors là, on peut parler très clairement, pour des raisons qui sont uniquement des raisons financières. Donc, en tout cas, on va continuer ces batailles-là. Et nous, on a eu la chance à la France Insoumise d'avoir 5 députés qui sont à la délégation des droits des enfants. Donc, ça va nous permettre de continuer à porter ces combats-là. Et vraiment, on ne les lâchera pas sur cette question parce que moi, je veux des réponses sur ce que le gouvernement fait face à tous les constats qu'on a alignés les uns après les autres. Alors, je vais ouvrir quelques dernières questions. Juste si vous en avez peut-être sur le livre aussi, ce dont vous parlez tout à l'heure, Bérangère Le Petit, sur la question des crèches, n'hésitez pas. Et elle me signale qu'elle sera tout à l'heure au salon du livre, mais elle va le redire tout à l'heure. Je vous laisse faire les dernières questions du coup. Bonjour. En fait, je voulais juste parler de moi, mon expérience que j'ai vécue au foyer. Donc, j'avais 16 ans. J'ai été placée parce que j'étais une enfant qui était souvent dans le silence. J'ai été placée parce que, du coup, j'ai été en mal-être. J'ai été 7 mois dans un foyer d'urgence où on m'a dit que j'allais rester qu'une semaine parce que c'était un foyer d'urgence. J'ai vécu là-bas beaucoup de choses qui sont mauvaises, en fait. J'avais seulement 16 ans et j'ai vécu plusieurs agressions sexuelles. J'ai été plongée dans des consommations de choses illégales. Et il faut savoir que quand j'ai vécu les agressions sexuelles, au bout de la quatrième, j'ai décidé d'en parler aux éducateurs et ils m'ont dit que j'étais une menteuse parce que j'en avais pas parlé plus tôt et que j'avais accepté de passer plusieurs repas avec la personne à côté de moi. J'ai fait beaucoup de tentatives où j'ai failli passer tout ça. Et finalement, au bout de la cinquième agression, j'ai décidé d'appeler mon père en pleurs, en disant « Papa, faut que je rentre à la maison, je peux plus rester là-bas ». Donc, sans que la juge soit d'accord, je suis rentrée chez moi. Ça a fait beaucoup de problèmes. J'ai appris que la directrice du foyer disait à tous les enfants là-bas que j'étais une mauvaise fréquentation, qu'il fallait pas me parler. Donc voilà, je voulais juste dire ça parce qu'on a dit, vous avez dit au début que c'était une chance d'être placée. Moi, je n'ai pas vécu cette chance et j'espère que j'y retournerai pas personnellement parce que tout ce que j'ai vécu là-bas, c'est horrible et ça laissera toujours des marques sur mon corps de ce que j'ai fait là-bas, des trucs comme ça. Et voilà, je suis plus la même aujourd'hui qu'avant, tout simplement. Bonjour à tous. Je vais moi aussi parler en tant qu'ancien jeune placé à l'aide sociale à l'enfance. Tout d'abord, je voudrais dédicacer cette intervention à un ami que je me suis fait en foyer justement, qui va bientôt être papa, il se reconnaîtra. Donc tout ça pour vous dire que, en vrai, il y a de l'espoir, c'est pas fini quand on passe en foyer. Du coup, sur l'enjeu de la recentralisation, et pour moi, il faudrait aussi aller plus loin que ça, c'est-à-dire arrêter de déléguer le service de l'aide sociale à l'enfance à des associations, c'est-à-dire que ça devienne vraiment un service public plein et entier, et juste ne serait-ce que par clarté. Moi, je me rappelle d'après-midi entière où on était quelques jeunes, où il n'y avait pas trop de monde au foyer, où on demandait aux éducateurs de nous expliquer comment ça se passait en fait. On dépendait de qui prenait les décisions, notre dossier était géré par qui, etc. Et c'était incompréhensible. Il y a ça déjà, un souci de clarté pour tout le monde. Ensuite, la question des contrats jeunes majeurs que Mathilde Panot a relevé. La question des contrats jeunes majeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'écrasante majorité des départements, les contrats jeunes majeurs, ça n'existe plus, en fait. Moi, je suis arrivé à l'âge de 18 ans, on nous a expliqué qu'il y avait une époque bénie, il y a quelques années, où les contrats jeunes majeurs allaient automatiquement vers les 21 ans. Et là où j'étais, moi, dans mon département, progressivement, la durée des contrats jeunes majeurs diminuait, mais ils étaient prolongeables. Donc, moi, dans mon département, le maximum pour un contrat jeune majeur, c'était 6 mois. Le temps de passer le bac, etc. Ensuite, vous passez devant votre assistante sociale avec qui vous discutez des nouveaux termes du contrat jeune majeur. Enfin, ça s'appelle plus vraiment contrat jeune majeur, mais on continue de l'appeler comme ça. Mais juste pour vous mettre en tête, vous avez 18 ans, vous êtes toujours souvent au lycée ou en formation, et direct, on vous balance dans le bain de la précarité. Alors qu'à l'époque, c'était tu finis ton bac, tu fais tes deux premières années d'études en BTS ou en DUT, et après,
pendant ces 2 ans, tu apprends à vraiment devenir autonome, à gérer une vie d'étudiant, quoi. Là, maintenant, c'est ça. Tu as 18 ans, 6 mois, on renégocie si tu as réussi tes objectifs, si tu n'as pas réussi tes objectifs. En fonction de ce que tu as fait, tu n'as pas les garanties d'avoir les mêmes conditions. Des fois, on vous donne un contrat jeune majeur, vous avez un logement. Des fois, vous n'en avez pas, vous restez dans une structure. Des fois, c'est juste un suivi un peu obscur et flou. On ne sait pas trop. Donc voilà, c'est pour ça que l'enjeu de la recentralisation, c'est le fait que, tout le monde, vous avez 18 ans, vous êtes encore, vous n'êtes pas prêt, clairement. Et ben, vous continuez d'être pris en charge par l'État le temps que vous soyez inséré. Voilà. Encore merci aussi pour la camarade qui a témoigné tout à l'heure. Merci pour son courage. C'est des choses assez difficiles qui se passent dans les foyers. J'avais pas envie de revenir sur les maltraitances, mais le problème, c'est que c'est un milieu très fermé, très peu de gens y entrent. En général, les jeunes de foyer à l'extérieur, ils sont un peu entre guillemets ostracisés parce que ils sont bizarres, ils vivent pas avec leurs parents. Donc c'est très difficile ces moments-là et ça demande beaucoup de courage. Je remercie la camarade pour son intervention. Merci aux députés de la NUPES et de la France Insoumise pour le travail que vous faisiez à l'Assemblée nationale. C'est très important et franchement, ça fait du bien de se dire « Ah, il y a moyen que ça change !» Même si sous le gouvernement Macron, il y a peu d'illusions, quoi. Voilà. Prends le micro, je vais faire court. Mais juste pour redonner aussi... la perspective, en fait, la suite de la maltraitance et des études aujourd'hui qui sont menées. Il faut suivre le programme Pégase, par exemple, qui explique bien qu'en fait, une expérience aversive dans la vie, ça a un impact direct sur la santé. 3 expériences aversives dans la vie, c'est 10 ans d'espérance de vie en moins. 6 expériences aversives dans la vie, c'est 20 ans d'espérance de vie en moins. Comment un enfant... Voilà, qui a vécu plusieurs réorientations, donc qui a été maltraité par ses parents. L'impact traumatique, il est quand même pire quand on est maltraité par quelqu'un qui est censé vous protéger, que ce soit en crèche, ou par ses parents, ou par l'institution département qui était censée vous protéger et qui vous maltraite. Comment refaire confiance? Vous pouvez lire Cyrulnik, il écrit des choses très bien sur la résilience, mais toutes ces expériences aversives, cette maltraitance produite par des gens qui sont censés vous protéger, ça crée aussi de la résistance. Ce sont des gens qui ne vont plus accepter les mains tendues, en fait. Parce que si ces mains tendues font mal, après, quand on dit « va voir le psy », foutaise, quoi. J'en ai connu des gens gentils qui m'ont fait du mal. Donc, comment aider un jeune à s'insérer après ses 18 ans quand il a vécu dans 27 lieux d'accueil? Moi, je l'ai dit à mon directeur, je lui ai dit, mais vous pensez que vous allez le stabiliser à 17 ans et demi, à sa sortie de majorité, alors qu'il a connu autant de réorientations? C'est l'insertion au sein d'un couple, c'est l'insertion au sein d'un travail. Ça a un impact direct en termes de santé. Et je ne vous parle pas que des addictions, des troubles de stress post-traumatique, des consommations d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, je vous parle de cancer. Donc, Madame Panot, si vous voulez libérer, enfin, avoir un argument choc pour libérer des lignes budgétaires, le coût sociétal des maltraitances est juste, mais tellement pharaonique que si on s'en occupait, on récupérerait énormément d'argent. Merci beaucoup. Merci pour vos questions et votre présence. On va donner un mot de... conclusion à chacune, et puis je pense que c'est Liesse qui répondra sur les différentes questions et expressions qu'il y a eu sur l'aide sociale à l'enfance. Je vous laisse commencer peut-être pour un petit mot de conclusion, et merci encore d'avoir participé à ce débat. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est qu'il y a pas mal de fils en fait qui peuvent être tirés entre ce qui se passe actuellement à l'aide sociale à l'enfance et ce qui se passe dans les crèches, et en particulier les crèches privées lucratives sur lesquelles j'ai travaillé. En fait, les enfants dans les crèches, ils n'ont pas de porte-parole et ils ne peuvent pas prendre la parole. D'ailleurs, ils ne sont pas présents là dans le public aujourd'hui. Il y a très peu de jeunes enfants. Ils ne sont pas là à prendre le micro pour témoigner de ce qui se passe pour eux et pour cause. Voilà,
dans le domaine de la petite enfance, les connaissances ont beaucoup évolué ces dernières années. On parlait de Boris Cyrulnik, par exemple. Aujourd'hui, on sait que les enfants ne sont plus des tubes digestifs, hein, que c'est aussi des êtres doués de sensibilité, qui méritent de la bienveillance, de l'écoute, de l'attention. Et il faut prendre en compte ces évolutions-là dans ce qui est mis en place par les pouvoirs publics aujourd'hui, parce qu'actuellement, les contrôles de la PMI, on en parlait aussi tout à l'heure, hein, la protection maternelle et infantile, ne prennent pas forcément en compte en fait, les évolutions des connaissances sur les enfants. Les budgets de la PMI sont en baisse, les médecins de la PMI partent pour beaucoup en retraite. Il est nécessaire aujourd'hui de renforcer les contrôles dans les crèches, de changer aussi la nature de ces contrôles. Et il est nécessaire que les pouvoirs publics réinvestissent, hein, dans la protection maternelle et infantile. Je ne vais pas être trop longue. Je voulais aussi dire que dans les crèches aussi, il était nécessaire de revaloriser le salaire des professionnels qui sont quasi exclusivement des femmes. Hein, on l'a rappelé aussi. Et voilà, il est nécessaire d'attirer des candidats dans ce secteur qui manque de personnel, et les salaires, ça peut permettre notamment d'attirer à nouveau, de remotiver le personnel. Et parce qu'en fait, un personnel maltraitant ne peut pas être bien traitant avec les enfants, et voilà, et ça pourrait permettre d'éviter toutes les dérives qu'on observe aujourd'hui dans le secteur de la petite enfance. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais. On rappelle aussi que, voilà, s'il y a des choses à amener budgétairement, c'est de rappeler que la prévention, au final, ça coûte moins cher que de soigner et réparer. Et qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Il faut les sortir aussi, hein, parce que la prévention, c'est une urgence. Nous, on dit, on résiste encore. Mais tout ce que se disent et ce qui se dit au Conseil du Travail Social, c'est que si ce qui a été donné au Haut Conseil du Travail Social, le dernier livre blanc qui a été ouvert, n'est pas écouté, il y a urgence à entendre ce qui est marqué, parce qu'on va le droit à la catastrophe. Et moi, je voudrais parler, on ne va pas en parler là, mais de pouvoir les nommer quand même, parce que ça peut être pour un prochain débat. On parlait effectivement des plus de 20 jusqu'à 21 ans. Fut un temps, c'était dans les textes. C'est dans les textes d'être soutenu normalement jusqu'à 21 ans. De pouvoir dire qu'on a les camarades du collectif Justice des enfants, ne pas oublier aussi les enfants ayant commis des actes de délinquance, qui se retrouvent où on est passé de la priorité à l'éducatif au répressif. Donc ne pas oublier effectivement ces combats-là aussi, de rappeler que oui, un enfant, il a besoin d'abord d'éducation. Et la dernière chose, on parlait justement des enfants en situation de handicap. Il y a aussi urgence à pouvoir se poser entre l'école inclusive et aussi toutes les structures qui existent, IME, IMPRO, qui avaient jusqu'à présent autrement d'autres moyens et des professionnels formés, qualifiés et avec bien plus en nombre que ce qui peut y exister à l'heure actuelle au niveau de l'école, et qu'il y a aussi urgence à pouvoir débattre aussi pour ces enfants de comment on concilie ces deux pratiques. Voilà, merci beaucoup et vraiment encore merci pour ce débat et merci pour votre présence. Sur les contrats jeunes majeurs, en fait, c'est un abus de langage, et j'irai même plus loin, c'est une invention des départements. La loi, à aucun moment dans les textes, ne parle de contrat jeune majeur. C'est quelque chose qui a été imposé par les départements pour fixer des conditions aux jeunes en dehors de tout, voilà, de tout cadre, et pour limiter au maximum le nombre de jeunes bénéficiaires de l'APJM, l'accompagnement jeune majeur. Voilà. Donc c'est un vrai sujet, parce qu'on a des départements aujourd'hui, très majoritairement, qui n'accordent plus de contrats jeunes majeurs. Il y a un chiffre qui est très intéressant de l'Observatoire national de la protection de l'enfance qui nous dit que 6 enfants placés sur 10 à 18 ans n'ont aucune protection. Donc on est majoritaire à sortir à 18 ans du système sans rien, sans accompagnement, sans étayage, sans logement, sans revenu, puisqu'en plus on n'a pas le droit au RSA avant 25 ans.
Et puis à 19 ans, ça baisse encore. À 20 ans, il n'y en a plus. À 21 ans, ça n'existe plus. Donc voilà, donc ça déjà c'est le premier truc. On a fait voter, enfin il y a eu une loi qui a été votée l'année dernière, qui a été portée par Adrien Taquet, donc l'ancien secrétaire d'État en charge de l'enfance, qui vise à obliger les départements à proposer un APJM, donc à 18 ans, pour tous les enfants de l'aide sociale à l'enfance. Le problème, et nous on avait soulevé le piège à l'époque, c'est que dans la loi, il n'est fait aucune mention d'une durée minimale de protection. Ce qui fait que les départements, aujourd'hui, là, en 2023, pour remplir les prérogatives de la loi, ils peuvent faire des contrats de 3 semaines, d'un mois, et pépère, si on fait du contentieux et qu'on va au tribunal administratif, là où on pouvait gagner avant parce qu'on profitait du flou juridique, on perd aujourd'hui. Donc c'est un très beau cadeau que le gouvernement a fait aux départements pour limiter de manière drastique la protection des jeunes majeurs après 18 ans. Donc la situation va de toute façon s'empirer dans les mois et les années à venir si on ne réforme pas davantage. Sur les violences institutionnelles, je crois que c'est une réalité que beaucoup d'enfants placés malheureusement connaissent. Le propre des violences institutionnelles, c'est l'opacité. Et pour ça, c'est pour cette raison que nous, on demande depuis des années à ce que chaque enfant placé se voit assisté d'un avocat. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, c'est 90% de mesures judiciaires. L'avocat d'enfant est obligatoire dans les procédures de divorce, les contentieux sur les contrats commerciaux, etc. Il ne l'est pas en assistance éducative, il ne l'est pas en protection de l'enfance. Et c'est d'ailleurs bien dégueulasse parce que les parents d'enfants placés ont le droit d'être assistés d'un avocat. Les enfants eux-mêmes n'ont pas toujours le droit d'avoir un avocat puisqu'il faut d'abord qu'ils soient reconnus comme discernants. Donc on nage en plein délire. Mais si on avait dans toutes les situations un avocat, ça permettrait à l'enfant victime de violences institutionnelles en foyer ou en famille d'accueil de pouvoir se tourner vers un adulte, un professionnel qui n'est là que pour veiller à ce que ses droits soient respectés et à ce que son intérêt soit préservé. Et ensuite, charge à l'avocat de remédier à la situation et à faire en sorte que la justice se saisisse. Mais malheureusement, les cas de violences institutionnelles sont extrêmement nombreux, sont peu judiciarisés parce qu'ils souffrent de cette opacité. Et en effet, les enfants ont beaucoup de difficultés à parler, ou quand ils parlent, nous avons aussi beaucoup de difficultés en tant qu'adultes à les écouter. Alors il y a des solutions, on va finir sur une note positive. Il n'y a pas de fatalisme. La première des choses, c'est de voter, en fait. Je le dis à chaque fois parce que les enfants ne votent pas. Donc prenez sur vos épaules cette responsabilité et faites-le pour eux. Ne votez plus pour des programmes qui ne s'intéressent pas aux enfants, en fait. Je pense que ça, déjà, c'est la première des choses que vous pouvez faire, qui est très simple, si vous avez le droit de vote, évidemment. Si vous n'avez pas le droit de vote ou que vous l'avez, mais que vous voulez aller plus loin, il y a une belle manière, aujourd'hui, de réinvestir la société civile, les citoyens, les citoyennes, et de briser cette opacité, c'est le parrainage. Alors, le parrainage, c'est pas envoyer une carte postale, c'est pas envoyer de l'argent, hein. C'est vraiment prendre de son temps, plusieurs fois par mois, plusieurs fois par semaine, le mercredi après l'école, le week-end, pour inclure un enfant placé à sa propre famille. Ça ne veut pas dire que vous l'hébergez, ça veut dire que vous passez du temps avec. Et c'est une manière aussi pour les enfants placés d'avoir une figure d'attachement sur le long terme qui soit durable, ce qui n'est pas rendu possible aujourd'hui dans le système de protection de l'enfance, que les collègues l'ont dit, mais il y a beaucoup de turnover, beaucoup de burn-out. Donc on change d'éduc toutes les semaines, on change de juge des enfants tous les ans. Voilà, on n'a pas les mêmes référents, donc ça crée aussi des instabilités profondes sur le plan affectif. Et le parrainage, c'est aussi une forme de vigie citoyenne. C'est des citoyens et des citoyennes qui, au contact d'enfants placés, sont en vigilance permanente et peuvent alerter quand l'institution ne remplit pas son rôle ou ses devoirs. Voilà, donc je finis là-dessus, mais merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Bon, vous l'avez vu, on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats à continuer sur cette question. Merci à vous. On continuera pour arracher la commission d'enquête sur la question de la maltraitance en cache. Il en faudrait aussi d'ailleurs sur l'aide sociale à l'enfance, sur le fait que tout enfant ait le droit à l'éducation. Et donc, on dit souvent qu'on peut juger une société à la manière dont elle traite ses petits ou les plus vieux de sa société. Et je pense que là, on est sur des indicateurs qui sont les indicateurs les plus reconnus, notamment, je pense, à la mortalité infantile dont je parlais tout à l'heure, sur le niveau de bien-être et de développement d'un pays. Donc, il faut prendre ces alertes extrêmement au sérieux. En tout cas, vous pouvez
comptez sur le groupe parlementaire pour être à vos côtés. Merci encore. Et tu voulais rajouter... Oui, je voulais juste vous dire, je serai cet après-midi à partir de 14h au Village du Livre, si vous voulez poursuivre un peu les échanges, notamment sur la question des crèches. Voilà.